Tiens. Non mais écoute, Montpellier facile. Attends, on écarte pour Craco, Yann, et c'est facile après, c'est tout simple en malin. D'accord, donc une victoire est prévue alors pour ce soir. Exactement, plus 10 à l'arena, on leur cache la fête. Et d'accord. On revient avec les bouteilles de champagne. C'est vers 3h, ou alors faut qu'ils nous attendent. Regarde, test. Ah ouais, viens. Bon Vanessa, est-ce que tu peux me parler un petit peu ton rôle au sein de l'association, ce que tu fais. Je conduis le bus, mais là aujourd'hui Didier n'a pas voulu me laisser le volant, donc je me retrouve derrière lui. Sinon, blague à part, l'association, c'est le secteur jeune, donc je suis de moins en moins investie du point de vue administratif, puisque Pierrot, ma super secrétaire, assure ce rôle-là. Et sinon, je gère un petit peu toutes les actions périphériques avec Antoine sur le développement et notamment les actions scolaires, périscolaires. J'entraîne également le baby hand, les 3-6 ans. Mon rôle au sein du club aujourd'hui est plus axé sur le développement des actions de mission d'intérêt général de l'équipe première, actions sociales, socio-éducatives. Auprès des écoles, auprès des publics collégiens, auprès des handicapés, et toutes les actions de promotion du département, donc du VAR, du conseil régional également, de la région PACA, et également de la ville, forcément de Saint-Raphaël et de la communauté d'agglomération qui est de Saint-Raphaël. Ça fait donc 3 ans que je suis au club, 3 ans qu'on est à chaque fois à très peu de choses de battre au Montpellier. On se dit que c'est cette année qu'on va créer la surprise et puis au final c'est toujours Montpellier qui gagne, mais pourquoi pas. Nous on a un enjeu ce soir, beaucoup plus que eux, puisqu'on a l'enjeu de la 4e place qui est certes assez importante au vu de ce qu'elle peut rapporter, puisque de toute façon la qualif européenne est déjà acquise par la 5e place, mais une participation au Trophée des Champions à Monaco dans notre ligue où on espère mobiliser un maximum de gens et puis nous faire aussi bien que l'année dernière. Aujourd'hui, je suis heureuse de faire le déplacement avec des personnes qui sont investies au club. On n'est pas nombreux, mais la qualité est là, je pense, et on va faire la fête à l'arena avec nos joueurs d'abord et puis avec les autres spectateurs, parce que là, c'est une grande famille et on est là pour faire la fête tous ensemble. Bon voilà, une info flash spécial. 8 joueurs ont crevé avec le minibus sur l'auto. Je répète, les joueurs du SRVHB ont été enlevés. Une tentative de crevaison de pneus a été effectuée. C'est scandaleux! Mais nous, supporters, on va les sauver! Ouais! Raphaël Roy! Je délivre un pronostic, ce soir Montpellier va gagner. Oui. Le top 14. Ouais, ce soir Montpellier va gagner que le top 14. Que le top 14. Que le top 14. Allez, c'est parti. Allez, allez. Allez, allez. Allez, allez, ça va pas. Junkie walking through the twilight. Pour la Clem Beat Records. Yeah. Yeah. Yo.